C'est un miracle. Il en sort. Il y a des images que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, il va aller mieux. Et heureusement. Allons-y, les messieurs, Gunther, les messieurs. Ouais, non. Apparemment, c'est Fritz qui prend un menu complet, hein, Fritz. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pris? Carton jaune, oui, la carte jaune et peut-être un but. Ouais, peut-être des nuggets. 11 minutes de jeu, 7-4 pour l'équipe de France. Pour l'instant, tout va bien dans cette confrontation. Il y a un joueur débraillé, là, non? J'ai un joueur avec un maillot déchiré un peu. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du... Non ? Ouais, c'est lui, non, pour l'instant tout va bien. Tu vois, je pense que c'est l'effet du... C'est l'effet du maillot, qui n'est pas beau, donc définitivement. Tu vois, je t'en ai parlé un peu au début, t'as pas voulu, mais là... Attention, pénalty pour les Allemands. Vous m'entendez, pénalty pour les Allemands, j'appelle toutes les voitures. Faut bloquer le passage, les gars, La roulette professionnelle. C'est le lobe, Jacques. C'est pas la roulette, c'est le lobe. Un lobe, c'est le lobe. Ah si, oui, la roulette. Non, regarde, dessus. C'est. Oui. C'est un début de la, roulette. Un rouleau. C'est du job. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça nous fait revenir les Allemands à deux buts seulement de nous, mais rassurez-vous. Oui, nous avons la possession de balle, Marc 6. Et pour marquer... Pour Auguste 7. Oh, joli, la petite... Jean-François 8. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait 8. Oh, il est bien, Pépère. Jean-François 8. Son numéro T pour marquer chaque but. Numéro 7 va marquer le numéro 8. But 12 aussi va marquer. Je retiens combien. Le 5 va marquer le. Ah, déjà marqué le but 3. Alors ils se répartissent les buts. Merci. Ce sera un coup franc au bénéfice des Allemands. Des Allemands qui viennent dépasser Verdun maintenant et qui se montrent particulièrement dangereux. Spiegel. Der Spiegel. Gunther maintenant pour Heinz. C'est pas gentil de mettre de la musique un peu grave, un peu triste, tout ça quand ce sont les Allemands qui ont la balle. C'est aérien, c'est non, pas triste. Oui, non, mais c'est quand même. Ah, voilà. Ouah, tiens, ça aussi c'est aérien. Ok, voilà, c'est aérien, ça plane. Ça. Ça plane en pleine lucane, hein, dis donc. C'est wash. Ah, il nous a démis des buts. Non, écoute, wash and grow. Ouais, c'est super. Vous êtes sûr que ce morceau n'est pas connu, Jacques? Pas encore. Vous êtes sûr? Ok. Bah oui, alors on peut y aller alors. Vas-y. Lance un jeune. Lançons. Voilà. Et le jour, c'est connu. On ressort. La disquette. Alors le ballon est là dans les pions allemands. Je fais votre boulot, là. Oui, dedans, Inda, Francia, moine morto. Il a profité d'une petite mésentente dans la défense allemande, à moins que ce soit lui qui l'ait provoqué. Très intelligemment, car c'est son métier. Regarde-le, hop, et là, oui, il fait de la passe, il se libère du marquage. Ouais. Oh yeah. À un moment donné, on l'a annoncé pour Paris. Quoi donc? Ce joueur français Carab. Ah, mais non, il y est déjà, hein, Jacques. Il a eu un problème de Paris. Il y est déjà. Ah. Un problème de pas à Paris. D'appareil, peut-être d'appareil, mais non, c'est pas Paris. Hein, vous comprenez? Merci, Jacques. Merci à la musique et merci à vous. Toujours 9-6, 3 points d'écart. Donc pour l'équipe de France, c'est pas mal du tout puisque nous atteignons la mi-temps de cette première période. Nous atteignons. Maintenant, la parade. Oh. La parade à Kiki. Homme d'ailleurs. Gros Meyer. Ah, il a un petit peu tous les surnoms. Hein. Guy, la parade. Homme Meyer. Et là, c'est l'équipe de France qui prend le large. Terrible lent, le large. 4 points, l'extra 5 points. L'extra large maintenant. Oh oui. Oui, ils sont en train de dominer cette. Mais c'est bon, jamais ça n'est arrivé. Germanique. Ta mère. Bien joué les gars. Petite remontée agressive et virulente du ballon et vous les avez niqués. Sans vouloir être méchant ni anti-allemand. Le flux semble flux. Pas tout le temps, mais il s'adapte. Bon. Est-ce qu'elle peut la fermer derrière ou 2 minutes? Non, mais parce que là, sérieux. Les dernières consignes, nous rentrons dans un moment important de cette première période et donc, bien évidemment, tout le monde essaye de se recadrer. Voilà. Non, madame, votre calamite. Ouais, non, ça suffit, pas maintenant. Non, là. Non, ouais, les Allemands attaquent, vous voyez bien que les Allemands attaquent. Ils s'infiltrent parade sous les jambes. Il va les dégoûter. L'équipe de France est en train de les abuser, oui. Surtout lui, là.
d'où qu'arrive le tir, il est là pour l'arrêter, le contrer. Super bien les passé. Milliers. Ouais. C'est terrible, mais il l'a fait. Viens, rejoins-moi. L'équipe de France. Arrêtez cette musique, ça m'a fait peur. Là, ça fait peur à tout le monde, ça fout les blues. Arrêtez, arrêtez tout. L'équipe de France qui est là pour aller en finale, manifestement. Elle ne s'est pas trompée de jour. Allons en finale. Non, ouais, c'est ouais, un petit ouais, peu ça. Ouais, ouais. Un petit peu. Là. Ah. Bon, Jacques, oh, arrête-moi ça. Oh, Nesta. Oh, one you said away. On se souvient de ce tube des années 80, en l'hommage déjà de cet futur entraîneur. Billy Jack. Billy Gio. Oh, yeah. Alors, oui, merci Jacques pour cette remontada, mais dans le temps, hein, parce que là, c'est quand même extraordinaire. Et ne cherchez pas le morceau, vous ne le trouverez pas. Celui pour bonne santé physique et psychique, je conseille à tous l'émission radio sur le 94 de Bonne FM, je conseille Sport House. Voilà, on a échappé au pire. On pouvait pas en mettre plus. Vous avez de la chance. Attaque française. Je répète, attaque française avec le colonel Leclerc. Au centre du terrain, le colonel Leclerc qui sent que c'est bouché par la défense allemande. Et qui de suite transmet au colonel de l'âtre de Tassini. Et par Sedan. Et par Sedan, ça ne passe pas. Et ce sera une remontée. Attention, les Panzers allemands reviennent maintenant et passent la ligne Maschinot. C'est important de Panzer. Un bus, il y a des problèmes de bus avec les athlètes. C'est vrai, ils sont obligés d'attendre pour rentrer. Ils sont comme tout le monde normalement. Normalement, non ? Parce que c'est ça un peu. On regarde des personnes qui normalement sont pas tout à fait comme tout le monde. Vas-y, je continue. Non. Au début du match, on est pas encore trop plombé. L'atmosphère. Le ballon est dans les mains allemandes avec Jean Wilfried qui transmet petit aimant au docteur Müller. Et le docteur Müller qui fait une saillie terrible dans la défense française et qui la saigne jusqu'au but. 17, je répète, 17 pour l'équipe de France. De l'âtre de Tassini est pris. C'est-à-dire 17 à combien? Ah oui. Il faut dire la fin du score. 11-7 désormais, Jacques, ça va trop vite. On décroche. Ah. On va voir tout de suite le Jumping Five Bong. Allô Verdun. Allô Verdun. C'est pas. Ah, ça va bien. Ouais. Allô Verdun. Allez. 7. Normal. Il faut les titiller un peu ces Allemands pour qu'ils reviennent. T'es con ou quoi? Tu ne sais pas. J'ai eu peur qu'ils s'éloignent là. T'es fou, les Allemands s'éloignaient. Ils sont toujours juste à côté. Oh, il s'infiltre, mais il est pris. C'est une intervention de l'arbitre, monsieur Schwingum. Ah oui, on écoute ce mâchage. Oui. Vous écoutez Sportaz, plus ou moins. Monsieur Sportaz. Ouais. Pénal pour la France avec. Pénal. Go, Grigou. Grigol. Pas d'écart, hein, de Grigol, directement dans les cages. Pas d'écart, mais des cages. Oh, yes. Joli. Oh. Et tout le monde est heureux, le peuple français se fait dessus de joie. Ouais, l'équipe de France file pour l'instant. Ah, flambant final. Oui, mais attends, elle file doucement. Elle commence à prendre quelques repères avec la finale. 12-8, certes. Mais la moche sur l'adversaire. Oh, quel contre. Un vrai contre. Un vrai beau contre. Il va être sanctionné. Oh, c'est dur. Est-ce qu'on peut revoir ça avec des images? Est-ce qu'on a un contest possible au handball ou non? Ça, il prend 2 minutes, non? Ah, parce que le contre est digne, un contre de basket. Regarde, il est en dehors. Oh, ouais, c'est magnifique. Et alors, il tape la main quand même. C'est ça le problème. Ah, je ne sais pas. Pas toucher la main. Je ne sais pas s'il est évacué, non, mais c'est un pédale. C'est dur. Ouais, c'est dur. Attention à gros meilleur. Les Allemands, plus Il le lui remet. Double pénal réussi par l'Allemand. Ah, mais c'est en lobe. Ah ouais. Demi-lobe. Regarde, c'est pas tout à fait le lobe. Regarde-le là. Ah, parce que tu vois, oh, juste.
circuler avant peut-être de pouvoir rentrer à la maison tranquille. 19 minutes 31 secondes. Autant dire 10 minutes à jouer de première mi-temps. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mmh. Oui, tu le dis assez bien. Je trouve que tu le dis assez bien. Maintenant, il faut continuer parce que c'est terminé. Parce que tiens, on va y aller. Go ! Ah non, pas encore le tir, donc pas encore le goal. Ah, ça devient viril désormais sur le terrain. Les bras ne peuvent s'exprimer. À Toulouse ! Chut ! On n'est pas, dites pas où on est. Oh là 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 là. Eh oui, Jackie, vous vous emballez, mais il ne s'est rien passé. On se touche, on se tricote. Oh, on s'invective un petit peu même entre les deux équipes. Et les joueurs, ça devient Tandou. Oh, aussi, quand même, il le prend un petit peu. Oui, là, quand même, c'est dangereux, c'est surtout ça, hein, ces actions-là. Sans qu'il y ait de vrais gestes, tu vois, d'agressivité, mais le déséquilibre est. Et particulièrement aussi. À se combattre les Ralum. Ah, mais c'est tout. Alors, que sera-ce pour l'équipe de France? Nous allons pénétrer dans les 10 dernières minutes. Je vous demande de vous essuyer les pieds. Beurre. Avec du beurre, si vous voulez. Mais... Ah non, pas beurre. Non, non. C'est pas une bonne idée, alors, d'accord. Ballon, oui, je se demande d'où ils sortent. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est de la... Alors, par contre, il faut tirer à un moment donné, c'est la même règle que... Comme c'est ici, ça voilà, ça c'est joliment fait. Ça va vite, ça rentre vite, c'est français. Mais ça fait 4 points d'écart maintenant, 4 buts d'écart après 20 minutes de jeu, ça devient intéressant. Que le chemin fut long à venir pour les handballeurs français, mais qui le firent dès 98, Barcelone 2000. Oh putain, là, du mal. Barcelone 2000... Les Barjots, Barcelone 2000. À Barjots, je vois pas. Ah non, là, comment ça? On n'était pas fait Barcelone, mais... Sportaz plus. Yes, it is dedans, far... Non, même pas. Mais ce sera un pénalty signalé par monsieur Bouche d'égout. 9-13... Mais une occasion pour les Allemands à revenir à 10. Il le mérite aussi parce que, mais encore une fois, Gros Meyer avait fait parade. Alors cette fois-ci, est-ce que c'est le même tireur et est-ce qu'il va lui refaire le coup? Bien vous équilibrer. C'est le même tireur. Va-t-il lui refaire? Allez, bien l'embrouille. Voilà. Et là, tu peux le faire. Non, il a changé. Bien vu. Ouh, il paquette en série pépère là, il arrive, il marque. Ah, il bufferise pas, non, il est bon dans l'impute, il est bon dans le but. Ah, il est pas mal du tout, pépère. Alors, nom de Dieu, ça nous fait combien, Jacques, maintenant? 13-10. Mais ballon dans les mains gluantes de l'équipe de France. Les mains mines collantes, comment ça va vite. Et là, par contre, c'est bloqué avec un peu de chance par le gardien germano-croate. Non, il s'est mis la gueule contre le poteau. Kraftwerk. D'ailleurs, il s'est refait l'arrêt. C'est vrai, Ouais. On va revoir ça. Le bel arrêt de Kraftwerk. Ah, regarde ça, la tête contre le poteau, tout. Oh, mais tout va bien. Il se sent bien. On joue du côté germanique, ta mère. Le coup du sans gardien, c'est-à-dire qu'on met un joueur de champ en plus sur le terrain. Deschamps va rentrer. Ouais, allô. C'est quoi ça? C'est Sportaz plus. Ballon allemand maintenant, ils sont nombreux là-bas, partout, il y a des Allemands partout sur le terrain. J'appelle toutes les défenses à venir nous regrouper à faire deux. Merci Karl, nous allons un petit Karl, Karl le final, Karl la finale. Karl Heinz Rummenigge, Karl. Calme-le. Rubusch, Karl. Xavier, piquez-le. C'est vachement bien ce qui est en train de se passer. Oui, faut le calmer, oui. Alors, le ballon est remonté par les Allemands alors que nous avons loupé le ballon. Eux aussi, d'ailleurs, tiens. Une hallebarde. Oui, une sorte de précipitation chez les deux équipes. Et il voulait revenir à plus 2, mais il reste à plus 3. Donc, comme quoi, parfois, l'ambition nous dépasse. Oui, le mieux tue le bien. Ah, c'était bien ce que j'ai dit, madame. Alors, que dira-ce? Sera-ce un temps mort? Non, le ballon semble naze, le ballon sort. Mais alors qu'ici, on apprend à fumer. On fume, je sais pas quoi, c'est nouveau en tous les cas. Oui, on fume l'air de Rio. Allez, ce ballon, il faut lui remettre... L'air de rien. Il vaut mieux l'air de rien que l'air de Rio, je crois. Parce que... Le ballon est dans les mains françaises. Vous savez ce que ça veut dire que les ballons sont dans les mains françaises? Du calme, l'Allemagne n'est pas loin, c'est vrai.
Mais restons calmes, nous, nous sommes dans le sud. On pas dit plus, nous ne dirons pas plus. Ah, pourquoi il n'y va pas, hein, il n'a pas, hein. pas pu, on s'est fait reprendre et alors on va le prendre. Non, ils sont obligés de rejouer cette... La princesse Karbastiche a du mal quand même à se lancer là sur ses frappes. Ouais, elle était plus pimpante au début. On a vu Heinecker, le gardien allemand, Kraftwerk. Heinecker. Heinecker, Freiberg. C'est son prénom, Heinecker, Jacques. Ah, à boire de préférence. Pourquoi donc Heinecker, c'est joli Heinecker. Ah. Vous ne comprenez rien à la belle chose. Vous passerez dans mon bureau avec modération. Mais alors, allemand avec Gunther qui tente, oui, oh, joli oui, décalage. Toi, Gunther, là, il se passe. Oh là là, la parade. La parade à Vromeyer. Avec tout, il part avec tout. Le dinosaure du handball mondial. Ah, il a la gueule du pterodactyle quand même. Je trouve aussi, cette musique, ça fait peur aux Allemands. Regardez-moi cet arrêt, il est à un mètre. Un mètre et c'est pas grave. Yes, thank you. Ouais, c'est beau. Incredible, ça. Incredible. Merci. C'est un ballon allemand, ils reviennent puisque le dégagement fut sublime, mais ils l'ont récupéré. Arrêtez de me tripoter. L'intervention de Bibelot qui le joue au goal. Il joue tout seul. Oh oui. Avec la cage tout seul, Tu vois le risque d'attaquer à 6 comme ça ou 7. Bravo Kiki. Voilà, quand deux forces, forces sont là. La fête. Voilà. Regarde-moi ça. C'est sublime. Goal. Allez, les Allemands avaient fait la même chose tout à l'heure. Le goal était vide. C'est vrai. Et ils marquèrent. J'étais pas là. Ce qui nous fait quand même 14 à 10 désormais. Le temps qui tourne. 24 minutes 42, 43, 44. Je retiens rien. Le tank. Vous n'avez pas éteint le tank. Le tank, il tourne. Il y a le tank qui tourne. Faut l'arrêter. Ah oui, non, bah, écoute. Il est sur la chenille là, je crois. Il danse sur la chenille. Le ballon est bien frappé par ce joueur allemand. Oui, bravo. Oui. Digne fils de son père. Bravo. C'est super ce qu'il a. Schneider. Une bonne marque. Ballon français. Désormais, ça va très vite, handball. Hein, on se renvoie la balle. Hein. Très vite. C'est un ballon, Jacques, d'ailleurs. Hein, c'est pas une balle. Le ballon, c'est un ballon. C'est un but. Ah, ouais, un but, c'est pas une butte. Ah non, hein. Et oui, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Goûter pour la France, 15-11 maintenant, Damien. Je vais aller me servir. Allez, les petits Allemands qui remontent la roue. Rien du tout. Oui, pas de part. Ah, la Bavière est bouchée en ce moment. Pour revenir et espérer, mais la défense française est virulente, superbe, très virulente même. Là, c'est quoi, un blocking choquant, dangereux? I don't know, Jacques. I don't know. Est-ce qu'on peut? On n'a pas toutes les règles, hein, de toute façon, non plus. Non, on n'a pas toutes les règles, effectivement. Il lève les mains. Pour l'instant, ça me semblait quand même. Merci, Jacques, pour cette réflexion menstruelle. Une fois par mois, il faut réfléchir, effectivement. Heureusement que vous avez une petite musique comme ça pour faire passer le truc. Hein, parce que là, on est dans le con. Ouais. Redis-moi ça, toi, pardon. Allez. Là, on est dans le concret. 26 secondes pile, on vit dans le concret. Ouais, dans le concret. Non, regarde ça, jamais un chronomètre n'a été arrêté comme ça. Oui, 26 oui, piles. Oui, le fameux concret de Lille. La réunification du SFIO. Alors, bravo Jacques, bravo pour cette référence politique. On parlait tout à l'heure des pterodactyles. À gauche, à gauche. Oh là là. Voilà, très bon ça. Très joli, très joli. Très bon pour les Allemands, bien sûr, qui reviennent à plus 3, au sens où ils commençaient à nouveau à se faire écarteler un peu. Non, mais bon, on peut pas leur en vouloir. On s'attend quand même à ce qu'ils se rebellent. Ils vont pas lâcher comme ça, les gens. Oui, mais bon, tous sont la baraka. Avec Bayer, Munich, maintenant Kaiser, Lautern, il y a Goethe, France qui a la balle, maintenant qui peut. Hoffmann. Jacques. Le ballon est sur la rue, il est fort, mais non. C'était Puerta. Normalement, il vient sur son côté droit, il trouve l'angle là, cette fois-ci, vous avez compris. Alors, vraiment chercher petit vite. Oh là, ça c'est du bon, ça. Ça c'est Pépé qui a fait ça. Ok, ça tourne. Rallumez-moi ça. Et tous à l'attaque.
sont les derniers instants de cette première mi-temps. Il va falloir quand même que ça rentre, hein, messieurs, 15-12, de deux côtés, hein, parce que c'est resté bloqué, largement bloqué. Les défenses sont trop bonnes, hein, ou les attaques sont trop molles. Ah non, attends, 15-12, c'est pas mal pour une mi-temps. Mais ils étaient si bien partis. Mais ça va encore, il y a deux points d'écart, on peut pas non plus penser. Non, mais je parle des deux équipes, je ne parle pas uniquement de la pointe. J'ai dit les deux équipes sont restées bloquées au niveau du compteur. D'accord, Jacques. Depuis quelques instants. Merci. On voit ça gentiment, ce bras levé, ce poing serré, c'est l'Allemand dans toute sa Marxis, Lone, pour le chercher, Angel, mais... Il a voulu passer par le lac, et c'était visiblement bouché. Faut pas aller dans l'eau, hein, Jacques. Vous voyez la zone orange, Jacques, là. Oui. Vous voir ça, cette zone orange, les gens ne voient pas sur leur téléviseur. D'accord. C'est interdit. Ils ont la fibre. Ils ont quoi? Le fibre, oui. Avec un petit arrêt, quelques instants, pour réfléchir, pour souffler, pour se... Oui. Voilà, vous allez mieux maintenant? Allez, on écoute. Allez, on y va. De la joie, de la joie. Ah, yes, portal. Oui. Ralenti de Jean-Louis pour ce Sportal 780 dont on attend la mi-temps. 780, et ça sent bien, non, quand ça, même. Ça a l'air mais ça n'a pas que l'air. 780, dis donc. 780, dis donc. 780, dis donc. Aussi fort, aussi haut. On va pas en faire un grave. Ça posera des problèmes plus tard, quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est pas ça. On a déjà posé quelques-uns, quand même. Faut pas non plus. Le ballon est dans les mains françaises. Ils ont toujours deux petits points d'avance. Et le temps tourne. 28 minutes désormais. Yes. 28 minutes dans cette première période. La frappe est là. Mais elle est récupérée par les Français avec beaucoup de chichoun. Ah ouais, mais bon, il faut y être là-bas dans le coin. L'attendre, ce ballon, bien sûr. Du Gomban, c'est pas si facile. Avec le parc français maintenant qui tente de l'immolester sur l'inverse. Cambera, Bello. Ah oui, bien joué, ça petit. Bien sûr. Oh, Ferrari, bien sûr. Jérôme Fernandez là qui revient dans son camp là, pour l'équipe toulousaine, c'est très bien. Les potins, on aime beaucoup de lui. Elles ont une Coupe d'Europe, c'est important. Allez. Les Allemands l'ont mal pris, hein, ce commentaire. Je préfère vous le dire, les Allemands ont très mal pris ce commentaire. Très bien. Ah. Comment ça, très bien. À peine un petit peu plus de minutes dans cette première période, les Allemands ont la balle. Ah oui, sur l'autoroute tout là-bas. Le monde sur la ligne Maginot. Baden. Oh. On balle. Attention. Yes. Oh, joli. T'as vu, c'est attrapé de gonfle au vol. Terrible. Ah oui, voilà. Les Français qui récupèrent et qui comptent, Non, il reste moins d'une minute. C'est ça. Et donc, ils ont 3 points d'avance. Avec ce ballon dans les mains, ça pourrait faire 4. Laisser la possibilité aux Allemands de revenir un petit peu. Et ensuite, la mi-temps. Écoute, Jacques, tout est bien alors. Voilà, on se touche à peine Moi, ça fait un moment là. Aix, La Chapelle et Strasbourg. Ce match me. Strasbourg, ne dites pas Strasbourg comme ça, Jacques. Strasbourg a été en Allemagne, mais il y a longtemps, c'était la Rhénanie, je pense. La Rhénanie. Il est temps que cette mi-temps se termine. Et elle va se terminer dans quelques instants, rassurez-vous. Bloc. Le ballon est là pour Marxis, contrôlé par la défense aérienne. Qui essaye d'y aller, mais non, pas tout seul. Non. 3 secondes, 4 secondes, 5, 4, 2, 3, 1, il faut tirer, Biblo, il le fait, mais interception de la balle. Et c'est terminé pour cette première période. Ouais. Et fait chier, merde, de tout. Il dormait, monsieur Claude, et là on le réveille pour la mi-temps, il faut qu'il aille faire un petit discours. Ça l'emmerde.